Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble ce pull magnifique. Vraiment, moi j'adore, je le trouve très original. Ce pull que j'ai appelé Rebecca, simplement parce que c'est l'une de mes collègues de travail qui me l'a inspiré. Donc ce pull porte son prénom. Voilà, donc c'est un pull que j'ai réalisé avec de la laine. Alors, pour le matériel, avec de la laine pingouin. Pingo First, qui est une laine 100% acrylique. Les pelotes sont de 50 grammes, environ 149 mètres. C'est une laine lavable à 30. J'ai utilisé le coloris violet. Vraiment, je trouve qu'il est très particulier, qui est très chouette. C'est une laine qui se crochette normalement en 3,5. Donc, j'ai utilisé un crochet 4 pour l'ensemble du pull. Et si vous souhaitez les références, c'est 31 rangs pour 21 mailles pour un carré de 10 cm sur 10 cm. Donc en fonction des tailles, vous allez bien sûr devoir utiliser plus ou moins de laine. Donc pour la taille 1, 34-36, il faudra 6 pelotes. Pour la taille 2, 38-40, il vous en faudra 7. Pour la taille 3, 42-44, il en faudra 8. Pour la taille 4, 46-48, il en faudra 9. Pour la taille 5, 50-52, il en faudra 10. Donc j'ai calculé à peu près le nombre de mètres pour chacune des tailles. Si vous souhaitez utiliser peut-être un autre fil, vous aurez toutes ces indications du coup sur le modèle écrit que je noterai bien sûr en barre d'infos. Donc je vous donne toujours presque une pelote de plus hein, parce que je veux pas que vous manquiez de laine et que des fois, il y a même des défauts dans les pelotes ou ce genre de choses, donc je préfère vous en donner toujours un peu plus que pas assez. C'est une laine que j'ai achetée, moi, qui vient presque automatiquement par 10. Alors, je ne sais même pas si vous pourrez vraiment acheter le nombre de pelotes. Je suppose que oui, ça doit bien sûr dépendre des sites sur lesquels vous pouvez l'acheter. Donc, on aura également besoin donc, de votre laine, d'un crochet numéro 4 ou adapté bien sûr à la laine que vous avez choisie. Mais du coup, c'est vrai que ce sera plus difficile pour vous de respecter mes indications en termes de taille. Il vous faudra aussi deux anneaux de ce type-là ou éventuellement des trombones ou ce que vous avez. Un passe-fil, un passe-laine. Parce que du coup, il y aura aussi de la couture et un coupe-fil. Voilà. C'est un pull qui est quand même assez simple à réaliser. La principale difficulté, entre guillemets, c'est le motif. Ce joli motif feuille qui, en fait, va vraiment... J'avais vraiment envie qu'il couvre l'ensemble, même la longueur des manches. Là, vous voyez, c'est la manche. Donc, en fait, on va travailler ce pull. Donc, on va faire deux parties, le devant et le derrière. On va d'abord travailler la bande avec le motif plus ou moins longue en fonction de votre taille. Ensuite, une deuxième partie en bride qui va finaliser la hauteur des manches. Une troisième partie qui va être vraiment le buste et votre corps. La quatrième partie, c'est simplement la petite bande de finition sur le haut pour après pouvoir faire l'encolure. Et la cinquième partie, du coup, ce sont les manches. Donc bien sûr, je vous guide dans ce modèle en pas à pas, étape par étape, en vous indiquant à chaque fois le nombre de mailles nécessaires pour que vous puissiez réaliser votre pull dans la taille qui vous convient. Voilà, bah je pense que c'est bon, on commence. Pour commencer ce pull, donc nous allons d'abord commencer par la bande du haut qui est faite avec le motif feuille. Donc j'ai trouvé sur internet ce diagramme, donc l'adresse sur laquelle je l'ai trouvé c'est mypico.com. Voilà, je vais quand même noter la référence là où je l'ai trouvé. Voilà, et donc nous allons suivre ce diagramme donc sur la moitié pour faire en fait hop, voilà, la bande qui décore tout le haut du pull. Donc pour ce faire, je vais prendre mon crochet numéro 4, je vais attacher ma laine dessus, voilà, et nous allons monter 26 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26. Non, voilà, ça c'est pour la base. Nous allons rajouter 3 mailles en l'air qui permettent de travailler pour une bride et les 2 mailles ici. Donc en tout, 5 mailles. Dans la 8e, à partir de votre crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, nous allons faire une bride. Ainsi que dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles suivantes, donc en tout 9 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est bien d'accord. 2, 4, 6, 8, 9. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Nous sautons 2 mailles. 1, 2. Et réalisons dans la 3e 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Donc en fait, chaque motif de vos feuilles, ce sera toujours séparé par 2 mailles en l'air. C'est un jeu d'augmentation et de diminution tout au long, comment dire, du patron, qui fait qu'on arrive quand même à quelque chose de bien droit. Donc après, j'ai développé moi des techniques pour être sûre de ne pas se tromper sur le motif. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Bien sûr que je mettrai le diagramme avec le site du coup sur lequel je l'ai trouvé sur le modèle écrit et le site lecrochetdelsa.wordpress.com. Voilà. Pour celles qui préfèrent comme moi en fait suivre un diagramme plutôt que des explications. Donc nous sautons 2 mailles et là du coup nous diminuons. Donc dans 2 mailles en l'air en haut. Donc on saute 2 mailles et dans les 2 mailles suivantes, vous allez faire 2 brides rabattues ensemble. Une diminution, c'est-à-dire qu'on commence la première bride sans la terminer. On va dans la maille suivante. Pareil, on fait une bride sans la terminer, un jeté et on presse à travers toutes les boucles. Et ensuite, 1, 2, 3 brides normales. 1, 2 et 3 brides normales. Encore une diminution. Donc 2 brides rabattues ensemble dans les 2 mailles d'après, 2 mailles en l'air. Nous passons 2 mailles et dans celle qui reste, nous réalisons une bride. Voilà, donc ça, c'est la base de notre motif. Voilà. Ensuite, comme au début de chaque rang, vous allez faire, c'est en fait 3 mailles en l'air pour une bride et 2 mailles de plus pour nos 2 mailles de séparation. Donc en fait, au fur et à mesure que ce motif va s'agrandir, celui-ci va rétrécir et là, nous allons commencer aussi à diminuer. Donc, nous crochetons les 2 premières brides rabattues ensemble, puisque nous sommes sur un motif de diminution. Il vous suffit de regarder à chaque fois ce que vous avez au rang précédent, là on avait déjà commencé à diminuer. Ça veut bien dire que ce motif est en train de diminuer. Une maille centrale et les 2 dernières brides, on les rabat ensemble. Voilà. 2 mailles en l'air. Donc ce motif-là est en train de débuter. Donc nous allons faire 2 brides dans la première maille, une bride centrale et encore une augmentation, 2 brides dans la dernière maille. Donc nous augmentons avec 2 brides dans cette première maille, une bride dans la maille centrale et encore une augmentation. Donc 2 brides dans la maille suivante. 2 mailles en l'air pour séparer notre feuille. Et sur ce motif là, nous étions à 9 brides, donc ce sera le maximal. Hein, au plus large à chaque fois du motif, vous aurez 9 brides et jamais plus. Donc comme on était sur 9 brides, il s'agit aussi là d'un rang de diminution. Donc nous crochetons les 2 premières brides
de première maille, ensemble nous diminuons. Nous allons réaliser toutes les autres mailles du motif simplement, c'est-à-dire une bride dans chaque maille. Et nous allons diminuer sur les deux dernières pour former notre motif de feuille. Et voilà, deux mailles en l'air, et dans la troisième maille de cette chaîne, nous allons faire une bride, puisqu'il nous faut respecter à chaque fois, vous voyez, les deux mailles pour former le motif. Ensuite, pour ce troisième rang, trois mailles en l'air qui comptent comme une bride, deux mailles supplémentaires pour le motif. Donc nous avions commencé à diminuer, nous allons continuer. Donc vous allez crocheter les deux premières mailles ensemble, donc deux brides rabattues ensemble, pardon. Ensuite, une bride dans les 1, 2, 3 prochaines mailles. Donc trois brides toutes simples, une dans chaque maille. Et les deux dernières qui vous restent, on les rabat ensemble. Hop, deux mailles en l'air. Donc là, nous sommes sur une séquence d'augmentation, c'est-à-dire que nous allons devoir engager la prochaine pointe. Voilà, pour commencer une nouvelle feuille. Donc, pour savoir quand est-ce que vous devez augmenter et rajouter des feuilles, moi, c'est ce qui m'a posé problème au début quand j'étais pas encore familiarisée avec le motif. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous faites une première pointe de feuille, trois rangs après, il faudra engager une autre feuille. Et ensuite, vous avez cinq rangs, 1, 2, 3, 4, au cinquième rang, de nouveau, vous engagez une feuille, puis 3 rangs après, puis 5 rangs après, puis 3 rangs, puis 5, puis 3, puis 5. Donc vous pouvez vous dire, moi ça m'a permis de ne pas oublier d'ajouter un motif. Donc là c'est pareil, la pointe elle est mise, si on regarde bien le schéma, vraiment entre deux mailles en l'air. Moi j'ai travaillé en la mettant ici, pas si vous voyez bien, voilà, dans cette petite boucle. Donc là du coup, et même si ça vous paraît bizarre quand on le fait, vous allez voir le motif il se forme et ça fait très chouette. Donc là, 3 brides dans cette maille là, puisque nous sommes sur le rang 3, 1, 2, 3, et que nous réalisons cette pointe. 2 mailles en l'air, et nous continuons notre motif. Donc le motif suivant, il était en train d'augmenter. Donc on continue dans la première maille, vous faites une augmentation, 2 brides dans cette maille. Ensuite, une bride toute simple dans les 1, 2, 3 mailles qui suivent, 2 et 3, et nous finissons par une augmentation. Donc, 2 brides dans la dernière maille. 2 mailles en l'air. Ici, nous étions sur des diminutions, donc c'est-à-dire que nous allons former la fin de la feuille. La pointe qui est ici. Donc pour ce faire, il nous faut rabattre trois brides ensemble. Donc on débute une première bride dans la première maille qu'on ne termine pas. Un jeté, vous réalisez la moitié d'une autre bride, encore un jeté, et pareil dans la dernière maille. Voilà, là vous avez trois brides qui ne sont pas terminées, quatre brins sur votre crochet, on fait un jeté, on passe à travers toutes ces mailles. Deux mailles en l'air pour finir notre motif, et dans la troisième maille, vous faites une bride. Vous voyez le motif qui est en train de se former. Là, ça diminue, ça va faire la pointe. Là, nous avons créé notre feuille qui sera comme ça. Celle-ci est en train de s'ouvrir, pardon, et celle-ci est terminée. Donc, nous allons ensuite monter 1, 2, 3 brides, 3 mailles pardon, pour une bride, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Donc, cette feuille-là est terminée, cette pointe-là est terminée. Donc, je vais aller travailler directement dans cette feuille-là. C'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, comme je vous disais, le travail se rétrécit et s'équilibre entre les augmentations et les diminutions. Donc, nous continuons à augmenter.
Donc, dans cette première maille, nous allons faire deux brides. Et ensuite, une et deux et trois, quatre, cinq, cinq brides simples et deux dans la dernière. Trois, deux mailles en l'air, pardon. Là, nous avons commencé une pointe. Donc, nous continuons nos augmentations. Deux brides dans la première maille, une dans la maille centrale et deux brides dans la dernière. En fait, alors ça se voit assez bien sur le schéma. C'est-à-dire que les augmentations et diminutions, bien sûr, elles se font sur le bord. Les mailles centrales restent normales et vous augmentez ou vous diminuez, bien sûr, sur le bord. Deux mailles en l'air. Et ce motif-là, nous étions en train de le diminuer. Donc, les deux premières brides ensemble. Une bride centrale toute simple. Vous voyez, il reste deux mailles, les deux dernières. Ensemble. Deux mailles en l'air. Une bride. Et voici. Ensuite, nous continuons. 1, 2, 3 mailles en l'air pour office de bride et 2 mailles pour notre motif. Donc, si on regarde cette feuille, nous étions en train de diminuer. Il reste 3 mailles. Donc, c'est que nous sommes arrivés à la pointe. Donc, nous allons crocheter ces 3 brides ensemble. Donc, 3 brides que vous ne terminez pas et qu'on va terminer ensemble. Voilà. 2 mailles en l'air pour séparer les feuilles. Ce motif-là, nous étions en train d'augmenter. Donc, nous continuons. 2 brides dans cette première maille pour augmentation. Une bride toute simple. Une deuxième bride toute simple. Une troisième bride toute simple. Et nous augmentons sur la dernière deux brides dans cette maille. Voilà, deux mailles en l'air. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est au cinquième rang que nous devons nous poser encore la question, est-ce qu'il y a une autre feuille? Là, nous avons fait la première feuille qui partait ici, trois rangs après, comme je vous ai dit, et maintenant c'est cinq rangs après, donc 1, 2, 3. On a encore deux rangs avant de penser d'inclure une nouvelle branche de feuille. Donc, nos deux mailles en l'air pour passer. Alors là, nous avons 2, 4, 6, 8, 9 mailles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que 9, c'était le chiffre maximal. Donc là, comme nous étions sur un rang d'augmentation, il y a un rang sur le schéma tout simple. Hein, quand même au milieu de la feuille où il n'y a ni augmentation ni diminution. Donc, c'est ce rang-là, que nous allons faire maintenant. Donc, une bride dans chaque maille. Donc, 9 brides sur les 9 mailles qui se présentent. Là, c'est vraiment le rang central de la feuille. Voilà. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire le pull pour ce motif, au début, il m'a fallu garder quand même les yeux bien ancrés sur le diagramme. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai trouvé ces petits points de repère dont je vous parle pour que ce soit plus fluide et qu'on n'ait pas forcément besoin de le regarder sans arrêt. Deux mailles en l'air pour finir notre motif. 1, 2 dans la troisième maille en l'air de cette chaîne, vous réalisez une bride. 1, 2, 3 plus 2 mailles en l'air, on tourne. Donc là, on était, comme je vous disais, sur le centre de la feuille, donc nous allons recommencer à diminuer. Bon, 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 bon. Donc, nous diminuons les deux premières mailles en faisant deux brides rabattues ensemble. Les mailles qui se présentent, les mailles centrales, restent des brides toutes simples. Et attention de bien faire votre deuxième diminution au bout de ce groupe. C'est-à-dire que là, il me reste deux mailles. Je diminue.
de Brie Dramature Ensemble. Deux mailles en l'air pour former notre feuille. Donc là, je vérifie 1, 2, 3. Donc c'est le rang 4. Je n'ai pas besoin ici d'aller rajouter une feuille. Les feuilles, comment dire, le point de départ d'une nouvelle feuille se font toujours au centre. Donc ce sera le rang d'après. Ici, on était en train d'augmenter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il nous faut encore une augmentation, un rang d'augmentation. Donc dans cette première maille, 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5 prochaines, vous réalisez une bride dans chaque maille. Hop. Une bride dans chaque maille. Et dans la dernière, une augmentation. 1, 2 et 2. Deux mailles en l'air. 1, 2. Donc là, la feuille, nous avions fait la pointe pour la terminer. Donc elle est terminée. Nous allons simplement aller nous accrocher dans cette chaîne-là. 1, 2 dans la troisième maille et réaliser une bride. Et voilà. 1, 2, 3. Plus deux mailles en l'air. Et nous regardons ce que nous avons. Donc nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, nous avions augmenté le rang d'après. Donc nous sommes sur le rang central pour cette feuille. Donc 9 brides. Une bride dans chacune des mailles que vous avez. C'est pas si compliqué. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez prendre le coup. C'est sûr qu'il faut rester vigilant. Et difficile de faire ce motif si vous êtes occupé à autre chose ou vous regardez la télé, ça c'est vrai. Après, c'est vrai que si vous faites des erreurs, il y a tout qui se décale et on n'obtient pas ce qu'on souhaite. Donc là, nous avions commencé un motif à 1, 2, 3, 4. On est bien sur le cinquième rang, donc il me faut faire une nouvelle pointe. Deux mailles en l'air pour séparer ma feuille. Et comme sur les premiers, nous allons venir faire notre début de feuille dans cette petite boucle. Je passe mon crochet dedans et je réalise 1, 2 et 3 brides pour le début de la feuille. Deux mailles en l'air. Ici, nous étions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous étions en train de diminuer. Donc nous continuons les diminutions, c'est-à-dire que les deux premières mailles, deux brides rabattues ensemble, une bride sur chacune des mailles centrales de notre feuille, et sur les deux dernières, nous allons les rabattre ensemble. Deux mailles en l'air et 1, 2 dans la troisième chaîne, une bride. Vous voyez le joli motif qui se forme. Et même si au début on n'a pas l'air de partir bien droit, ça nous fait quand même quelque chose d'assez droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller jusqu'au rang 10 avec vous. Et après, en fait, il ne faut que répéter entre les rangs 2 et 7. Donc, 3 mailles en l'air, plus 2. Ensuite, nous étions sur des diminutions. Donc, nous diminuons pour réaliser la pointe de cette feuille. Donc là, c'était une diminution, une maille centrale, il me reste deux mailles, donc je diminue. Et voilà. Deux mailles en l'air, un, deux mailles en l'air. Là, nous avons commencé une feuille, donc nous devons augmenter. Deux brides dans cette première maille, une bride dans la maille centrale et deux brides dans la dernière. Voilà, deux mailles en l'air. Ici, nous en étions où ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, et c'était des brides individuelles, donc c'est-à-dire que nous devons amorcer les diminutions. Donc, dans les deux premières mailles, 1 et 2, on diminue. Deux brides ensemble. Dans les 5 mailles qui suivent, 1 et 2 et 3,
allons faire une bride dans chaque maille. Il en reste deux, nous diminuons. Deux brides rabattues dans la même. Ensemble, pardon. Deux mailles en l'air pour finir notre motif. Nous allons chercher la troisième chaînette et réalisons une bride. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Donc là, nous avions créé une feuille. Donc comme je vous ai dit, une fois qu'on a créé une première feuille, il faut que trois rangs après, nous en créions une autre. Donc là, nous sommes sur un rang où il ne faudra pas oublier de créer cette feuille. Là, nous faisions des diminutions. Donc nous allons continuer. Les deux premières mailles rabattues ensemble. Je pense 3, 1, 2, 3. C'est ça, 3 brides centrales individuelle dans chacune des trois mailles qui se présentent, et pour les deux dernières nous les travaillons ensemble, deux brides rabattues ensemble, deux mailles en l'air. Donc là on est au centre du motif, nous allons rajouter ici une pointe de feuille. 1 2 3 brides dans cette petite boucle. 2 mailles en l'air. Et là, nous continuons à augmenter la feuille que nous avions créée. Donc, 2 brides dans cette première maille. 1. 2. 3. Une augmentation dans cette dernière maille. 2 mailles en l'air. Donc là, il nous reste 3 mailles. Donc c'est la pointe de la feuille. 3 brides rabattues ensemble dans les 3 mailles que vous avez. 1, 2, 3. On rabat tout ça ensemble. 2 mailles en l'air. Et on va chercher cette troisième maille sur la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, allez, je vais faire un dernier rang avec vous et vous expliquer après comment continuer. 1, 2 et 3, plus 2 mailles en l'air, je tourne. Alors, là, nous avions 3 brides rabattues ensemble, donc le motif est terminé, je vais travailler directement dans la feuille d'après. Cette feuille est en pleine augmentation, donc 2 brides dans la première. 1, 2, 3, 4, 5 brides dans chacune, enfin une bride dans chaque 5, dans chacune des 5 mailles qui vont venir, pardonnez-moi. Là, là et là, et dans la dernière, nous augmentons 2 brides dans cette dernière maille. 2 mailles en l'air pour séparer notre feuille. Là, nous avions débuté une feuille. Donc, nous augmentons dans cette première maille en faisant 2 brides, une bride centrale et de nouveau une augmentation de brides dans la dernière maille. 2 mailles en l'air. Voilà. Et là, nous étions en train de diminuer. Donc, nous continuons à diminuer. 2 premières brides rabattues ensemble. 1 bride centrale et les 2 mailles restantes rabattues ensemble. 2 mailles en l'air et nous allons dans la troisième maille de notre chaînette. Et voilà donc notre motif. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Notre motif qui se forme. Donc en fait, il faut continuer à travailler votre motif de la même manière. Donc j'essaie de vous donner mes trucs et astuces hein, pour que ce soit plus facile sans vous servir du motif, ou je vous conseille quand même du coup d'imprimer le diagramme si c'est pas évident pour vous, et vous allez répéter toujours comme je disais tout à l'heure des rangs 2 à 7 sans arrêt. Donc en fonction de la taille que vous avez choisie, il faudra pour la taille 1 faire 95 rangs de motif,
pour la taille 2, 96, pour la taille 3, 97, pour la taille 4, 98, pour la taille 5, 99. Puisque du coup, cette bande, on est d'accord, formera, on va la travailler ensuite comme ça, le haut du pull et aussi toute la longueur du coup des manches. Voilà. Donc, je vous propose de vous laisser monter ce travail-là et je vous retrouve pour vous expliquer l'étape suivante. Ok, donc une fois que vous avez travaillé le motif sur le nombre de rangs que je viens de vous indiquer par rapport à votre taille, nous allons commencer à travailler le pull du coup dans l'autre sens. Donc, vous tournez simplement votre travail et vous allez réaliser 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui vont compter comme une bride. Ensuite, nous allons du coup nous accrocher sur le motif en réalisant 2 brides dans chaque arceau. Donc ça, ça compte comme une première bride. Donc je vais faire une deuxième en passant dans cet arceau. Je saute au suivant et 2 brides également dans ce creux. Et ainsi de suite tout le long de votre rang. Donc 2 brides dans chaque arceau de la longueur de votre motif. Bien sûr que vous aurez une longueur bien plus grande que la mienne. Voilà. Donc le plus compliqué dans ce pull, honnêtement, c'est le motif. Après, ce sont des rangs tout simples qui forment le pull. Il n'y a pas de, il y a rien de compliqué du tout. Donc 2 brides dans chaque motif. Deux. Et dans ce dernier motif, une première bride. Et là, je vous conseille quand même, pour que ce soit plus propre, de faire 1, 2, 3 dans la troisième. Au lieu de piquer dans l'arceau, dans la troisième, de faire votre bride. Comme ça, ça maintient le travail plus droit ici, plus propre. Voilà. Ok, donc là, nous avons fait le premier rang, on va dire, de liaison pour pouvoir après faire la longueur du pull. Donc en fait, on va travailler la manche, la manche, la manche, la manche. Et puis ensuite, on fera le long du pull. Donc encore une fois, c'est une miniature, là, d'ailleurs qui ne sera pas à l'échelle puisque mon motif est aussi gros que sur le pull. Mais c'est vraiment pour que le tuto soit plus visible. Si je dois manipuler beaucoup de travail, c'est devant la caméra, c'est pas très heureux. Donc nous allons continuer. Vous allez continuer un certain nombre de rangs que je vais vous indiquer pour en fait avoir cette partie-là. Là, on est en train de travailler la partie 2. Donc la longueur du pull, la manche, la partie qui correspond à la poitrine et la seconde manche. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment en train de réaliser ce petit bandeau. Donc ce petit bandeau, on le réalise simplement avec une bride dans chacune des brides, des mailles du rang précédent. Donc contrairement au modèle que je vous propose d'habitude, pour ce modèle-là, les 3 mailles en l'air du début de rang comptent comme une bride. C'est-à-dire que vous allez faire 3 mailles en l'air, on tourne le travail. D'habitude, je vous dis d'aller dans la toute première, puisque ça ne compte pas. Là, ça compte. Donc, vous allez dans le creux, dans la maille suivante. Pas ici, ici. Et vous allez simplement réaliser, c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment tout simple, une bride dans chacune des mailles qui se présentent. C'est plus un travail de patience, hein, ce pull. Une fois qu'on a monté le motif, comme je vous disais, après c'est que des brides. Et si elle est pour les manches, il y aura quelques diminutions, mais sinon c'est vraiment tout simple. Donc vous continuez ainsi. Donc je vais quand même aller jusqu'à la fin de rang. Une bride dans chaque bride. Tout simplement. Et du coup, on est d'accord, comme je vous ai dit, que les trois mailles en l'air comptent comme une bride. Donc là, c'est ma dernière maille, mais vous allez bien faire une bride dans la troisième maille en l'air de la chaînette du rang d'avant. Sinon, on se déséquilibre. Hop, et voilà. Donc, en fonction de votre taille, vous allez continuer comme ça, tout droit, sur un certain nombre de rangs. Donc le premier rang qu'on a fait pour s'accrocher ne compte pas dans ce que je vais vous dire. Donc pour la taille 1, vous allez faire 4 rangs supplémentaires.
En tout, il y en aura 5 si vous comptez le rang qui attache. Pour la taille 2, c'est 5 rangs supplémentaires. La taille 3, c'est 6. La taille 4, c'est 7. Et pour la taille 5, c'est 8 rangs supplémentaires. Donc, je vous répète de ne pas compter le rang où nous avons attaché finalement notre travail au motif. Donc, vous continuez tout droit. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Donc, vous passez dans la seconde maille, une bride dans chacune des mailles. Et pour la fin, ça je dis plutôt pour les débutantes, toutes celles qui ont des fois du mal à avoir un travail bien droit. Là, du coup, dans la troisième maille de cette maille en l'air, vous allez réaliser une bride. Voilà, donc vous continuez. Et on aura terminé cette deuxième partie du pull qui est en fait la partie du haut avec les manches. Ensuite, nous allons, vous pouvez fermer votre travail d'ailleurs. Une fois que vous avez monté le nombre de rangs suffisant, vous coupez le fil et vous pouvez fermer votre travail. Ensuite, on va venir s'accrocher au centre pour réaliser en fait la partie du pull qui ira sur votre ventre. Voilà, je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez monté tous ces rangs, donc en fait nous allons marquer en fonction de la taille la partie sur laquelle il faudra continuer à travailler pour continuer votre pull. Donc moi là pour mon exemple, je vais marquer la maille 5. Donc vous commencez d'un bord et vous comptez. Je vais vous indiquer le nombre de mailles bien sûr en fonction de votre taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la maille 15. Voilà. Donc en fait ça... c'est ce qui restera là au bord, c'est la longueur de vos manches. Donc vous aurez encore une fois quelque chose de bien plus long. Et de l'autre côté, pareil, là on va être en plein milieu de votre travail et on va réaliser la dernière partie du pull qui vous manque. Donc pour la taille 1, vous restez, donc là on est d'accord, j'ai coupé mon fil ici. Hein. Vous allez compter la maille, vous allez marquer la maille 63 et la maille une fois 127. Ensuite pour la taille 2, la maille 61 et la maille 131. Pour la taille 3, c'est la maille 60 et la maille 134. La taille 4, c'est la maille 58 et la maille 138, pardon. Et pour la taille 5, c'est la maille 53 et la maille 145. Voilà. Ensuite, donc, vous reprenez votre fil que nous allons réaccrocher à notre crochet comme si on débutait le travail. Voilà. Et vous allez faire attention, on est d'accord que là, si vous ne tournez pas et que vous vous mettez directement dans cette première maille, visuellement, ça se verra sur la hauteur de votre pull et ce ne sera pas bon. Là, on avait travaillé comme ça, on avait fait le nœud, on a coupé, donc il vous faut tourner, surtout avant de reprendre votre travail. Vous placez ainsi du coup dans la première maille que vous avez marquée. Vous allez passer le crochet, faire un jeté et une maille coulée pour attacher votre travail. Et ensuite, on reprend 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et vous allez du coup travailler une bride dans chacune des brides qui se présentent jusqu'à votre prochain marqueur. Tout bêtement. Et voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Ne compte pas. Ces mailles en l'air ne comptent pas comme une maille. Donc je passe cette première maille. Elle compte comme une maille, pardon. Donc je la passe et je vais dans la suivante. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la hauteur de votre pull souhaité. Donc je vais quand même vous donner des indications, bien sûr. Mais finalement, vous pouvez le faire un peu plus court, un peu plus long, en fonction de votre morphologie et de comment vous aimez porter vos vêtements. Donc, vous allez continuer comme ça, encore une fois. Les marqueurs, vous pouvez les retirer, hein, c'est vraiment pour marquer ce premier rang. Voilà, et je n'oublie pas de faire une bride dans la troisième maille en l'air. Voilà.
De nouveau, 3 mailles en l'air, une bride dans chaque maille. Donc en fait, il va comme ça, le pull. D'accord, les manches. Et là, vous avez toute la hauteur du pull. Donc, pour la taille 1 et 2, je vous conseille, comme vous souhaitez, de faire en tout 33 rangs à partir des manches. Donc à partir de ce travail, la centrale, de monter 33 rangs de brides. 34 rangs pour la taille 3, 35 rangs pour la taille 4 et 36 rangs pour la taille 5. Moi, je sais, par exemple, mon mari m'a dit de faire quelques rangs de plus, mais je me suis arrêtée à ce que j'ai préféré. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est-à-dire que ça ne va pas déséquilibrer le pull ni quoi que ce soit, puisqu'une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites votre nœud, vous coupez le fil et c'est bon. Donc, vraiment, vous pouvez le faire à votre appréciation en fonction de la taille que vous avez. On est toutes uniques et différentes. Donc, bien sûr... vous pouvez adapter ce modèle à votre morphologie. Voilà. Ensuite, il nous restera à faire. Donc là, c'est le haut du pull finalement. Il nous restera à faire quand même un rang de finition ici. Et ensuite, à réaliser une deuxième partie semblable, puisque ça, c'est le haut, le devant, pardon, de votre pull. Et on va faire exactement la même chose pour avoir le dos. Ensuite, on fera les coutures, donc tout du long, je vous montrerai ça. On fera les coutures, et ici, et sur la longueur des manches, et sur le haut du pull. Et aussi, du coup, nous allons travailler ensuite ensemble les manches. Voilà, à tout de suite. Donc, une fois que vous avez réalisé tous ces rangs, pour finaliser du coup la partie qui correspond au ventre de votre pièce, nous allons retourner tout en haut, du coup, là vraiment ce sera le haut du pull, pour faire simplement un rang de finition. Ce rang-là, c'est celui qui sera vraiment sur le col. Donc, vous reprenez du coup du fil que vous attachez à votre crochet, voilà. Vous attachez à votre travail. Alors, idéalement, si on veut vraiment respecter le motif, vous comptez sur votre motif les deux premières mailles 1-2, et dans la troisième, vous allez aller accrocher votre fil. Donc, je passe mon crochet, je fais un jeté, et en fait, je fais une maille coulée. Trois mailles en l'air pour la première bride, et une deuxième bride dans cet arceau. Et vous allez de nouveau faire comme on avait fait sur ce premier rang de l'autre côté du motif. Vous allez réaliser deux brides dans chaque arceau de votre motif sur toute la longueur de votre travail. Voilà. Et voilà, et vous allez continuer du coup tout ce rang. Une fois que vous serez au bout, vous coupez votre fil, vous faites un nœud, vous pouvez le rentrer, ou en général, moi je fais toutes les finitions en une seule fois. Donc une fois que vous avez terminé cette étape-là, il vous faudra bien sûr faire une deuxième pièce exactement similaire, puisque ça, ce serait par exemple le devant. Il faut reprendre exactement les mêmes étapes pour faire le derrière du pull, l'arrière. Donc refaire la longueur de votre motif exactement sur le même nombre de mailles. Ensuite, travailler votre deuxième partie qui correspond aux manches. La troisième partie qui correspond donc au ventre, au dos de votre ventre du coup. Et encore une fois, cette dernière bande pour finir. Voilà. Une fois que vous aurez les deux pièces de votre pull, vous allez simplement les poser l'une sur l'autre. Vous montrer sur le schéma, vous allez les poser l'une sur l'autre et pouvoir réaliser vos coutures. Donc pour ça, vous faites des coutures toutes simples avec un passe-laine ou avec une aiguille, avec votre laine ou avec un fil vraiment à couture, c'est comme vous préférez. Donc vous allez mettre une partie sur l'autre et réaliser, en fait, coudre. Moi, j'ai fait une couture comme ça,
avec un seul fil et exactement la même de l'autre côté. Je vais vous indiquer tout de suite en hauteur le nombre de mailles pour l'encolure. Donc pour réaliser l'encolure, en fonction des tailles, pour la taille 1, 2, 3, en fait il faut laisser 29 cm au milieu du pull, vraiment bien, bien sûr au centre pour la tête. Donc en fait vous allez coudre en partant du bord sur les 76 premières mailles qui arrivent. Vous fermez et de l'autre côté, exactement pareil, vous allez coudre ensemble sur les deux parties les 76 premières mailles. Pour la taille 4 et 5, on va faire la même chose, mais pour 78 mailles de ce côté et 78 mailles de l'autre pour laisser du coup votre encolure. Donc c'est une encolure assez large hein, quand même, mais bon, ça c'est le patron du pull, le modèle que j'ai choisi qui est fait comme ça. Voilà. Une fois que vous aurez fait toutes vos coutures, il nous restera finalement à faire les manches. Donc pour faire les manches, je vais vous montrer hein, du coup directement sur le pull ce qu'on va faire. Alors, donc je vais reprendre. En fait, j'ai déjà cousu la première manche et je pense que là, il vaut mieux qu'on le fasse directement ensemble. J'espère que vous y verrez bien. C'est vrai qu'il fait déjà nuit. Alors, pour la couture de cette manche, donc le souci qu'on a, vous verrez bien, peu importe le nombre de rangs que vous avez fait, de toute façon, le motif, il crée des, comment dire, il crée des pointes. Donc, on va faire en fait un premier rang qui va permettre d'égaliser tout ça. Donc, on va faire un rang de bride. Là où il y aura le creux, on va continuer en bride. Et là où vous aurez un creux, il faudra sur les mailles centrales faire des doubles brides pour que ce soit un petit peu plus haut. Là, on continuera en bride. Et de l'autre côté, on travaillera plus en mailles serrées pour arriver finalement à équilibrer un petit peu tout ça. Voilà. On triche un petit peu en fait pour absorber le motif. Voilà, donc en fonction de la taille, il y aura soit 3 rangs pour ces manches, pour les plus petites tailles, soit en tout 4 rangs. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc moi, j'ai pas coupé mes fils. Après, hein, vous pouvez faire toujours pareil comme vous préférez. Pour certains, c'est plus facile de couper les fils au fur et à mesure. Moi, je préfère les garder. Donc, je reprends du coup le fil de la bonne couleur. Voilà. Que j'attache. Alors, attendez, c'est un petit peu le bazar. Voilà. Que j'attache à mon crochet. Toujours de la même manière. Hop. Et nous allons venir nous accrocher dessous, là où vous avez fait les coutures et où en fait le travail est bien droit puisque ce sont nos rangs de brides. Donc je vais venir me mettre au milieu. Je passe mon crochet, je fais un jeté et une maille coulée pour pouvoir m'accrocher. Trois mailles en l'air. Et en fait, nous allons réaliser. Attendez, j'essaie de me mettre comme ça pour que vous y voyez peut-être mieux. Nous allons en fait réaliser deux brides dans chacune des brides, des rangs qui se présentent. Donc là, les brides étaient comme ça, on est d'accord. Dans chaque rang, chaque bride, vous allez mettre deux brides. Voilà, donc vraiment à chaque dans les espaces, hein, vous ne travaillez pas sur la hauteur des brides des rangs d'avant. Et voilà. Deux brides dans chacun des espaces créés par les autres brides. Là, nous arrivons donc au motif.
Donc sur le motif, vous pouvez vous dire le plus simplement du monde qu'on va faire une bride. Alors dès qu'il y a des mailles en l'air, on va faire une bride équivalente à chaque maille en l'air. Donc quand vous en avez deux, vous me faites simplement deux brides. 1 et 2. Ensuite, je vérifie par rapport à mon motif. Donc là, on est sur le creux. Donc il va falloir que je fasse des mailles plus hautes, surtout au milieu. Donc ce qu'on va faire, sur toutes les brides qui se présentent, vous allez faire une bride normalement, une bride normale. Une bride normale, donc dans chacune des brides du motif. Voilà. Et ensuite, dès qu'on va arriver aux mailles en l'air, nous allons faire des doubles brides pour gagner un peu plus de hauteur. Voilà, donc là, je suis au centre de mon motif. Donc, je vais faire double bride. Deux jetés sur votre crochet, vous passez dans le motif. On écoule deux brins, et encore une fois. Comme on était sur deux mailles en l'air, on répète l'opération dans ce même espace. Une deuxième double bride au centre. Donc là, moi j'ai une pointe, je vais faire une double bride au milieu et je repars sur l'autre motif. Ça n'a pas vraiment d'importance si vous rajoutez ou si vous retirez une bride hein, par rapport à ce que je vous explique. Le but, c'est plus d'avoir quelque chose de régulier et qui s'équilibre par rapport du coup à ces creux et à ces bosses qu'aura créé le motif. Si vous avez un doute ou vous voyez que c'est vraiment trop écarté, vous pouvez rajouter des brides ou des doubles brides sans aucun souci. Il faut faire vraiment ce qui vous paraît le plus logique hein, par rapport à ce que vous avez en main. Et par rapport au motif. Donc voilà, là on était vraiment dans la pointe, dans le creux de ce motif. Je vais réaliser une bride encore sur chacune des brides du rang du motif. Là j'étais, voyez, sur les 9 brides. Donc je fais une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Voilà, je regarde un peu mon travail. Vous voyez, bon, c'est pas complètement droit, mais on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus équilibré qu'au départ. Ensuite, deux brides dans l'arceau des deux mailles en l'air. Et je reprends deux brides dans chaque espace créé par les brides. Là, on est du coup tout en haut du motif. Là, il y a mes fils de couture. Je vais directement faire deux brides. Voilà. Là, vous voyez, tout en haut, on aurait pu en faire une au milieu, vous voyez. C'est pas gênant, hein, vraiment comme vous le sentez. Moi, je vais laisser comme ça. Alors, c'est vrai que je travaille avec une couleur qui est quand même un petit peu foncée, donc peut-être que ce genre de choses se voit un petit peu moins. Mais ça fait une sorte de manche un petit peu boule, hein, en fait, puisqu'après, on va vraiment réduire. Donc, vous voyez, l'un dans l'autre, ça se voit pas. Ce sont des points de détail, donc je suis d'accord, il faut que ce soit quand même bien fait et propre, mais ça se verra pas. Si vous avez un doute, ajoutez une bride. Il en vaut toujours mieux une ou deux de plus qu'une ou deux de moins. Voilà. Ensuite, je continue. Donc, j'ai un arceau de deux mailles en l'air. Je fais deux brides. Donc là, on se trouve au problème inverse. C'est que la pointe ici est quand même un petit peu trop haute. Donc, je vais continuer à travailler une bride sur une bride sur la prochaine séquence de brides qui constituait une feuille. Voilà, une bride, voilà. Une fois qu'on arrive au motif, là, je vais passer tout de suite en maille serrée. Donc, hop, oh, attendez, je pense que j'ai fait une petite bêtise, oui. On va passer en maille serrée, donc hop,
2 mailles serrées dans l'arceau. Ensuite, on va faire des mailles coulées dans chacune des brides qui se présentent. Là, j'essaie vraiment d'atténuer ce motif. 2 mailles coulées dans la pointe du motif. Et on va vérifier, on va faire peut-être encore 2 mailles serrées. Une demi-bride et puis après on va repartir en bride. Vous voyez, si je le mets droit, ça s'atténue quand même assez facilement. Ensuite, vous terminez simplement votre rang en mettant une bride sur chaque bride, 2 brides quand vous avez les espaces des mailles en l'air. Là, je fais une bride centrale, 2 brides dans le prochain espace. Et pour arriver à quelque chose de régulier, là on est du coup sur la fin de la manche, comme on a fait au début. 2 brides dans chaque espace créé par les brides que nous avions fait dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller quand même de faire, là on arrive au bout du rang. Donc bien sûr que ce que je vous donne ou ce que je prends comme mesure, comme base pour le pull, ce sont des patrons existants pour bien respecter quand même les différentes tailles et que je puisse aussi, c'est ce qui me permet justement de vous donner les différentes tailles et de faire le calcul à chaque fois sur le nombre de mailles et ce qu'il vous faut faire. Comme on est bien sûr toutes différentes, il se peut que vous soyez, que vous ayez des bras plus ou moins courts ou plus ou moins longs. Donc là, à ce moment du travail, normalement le pull il est presque terminé. Donc je vous conseille quand même d'essayer de le passer et de voir si les indications que je vous donne pour la finalisation des manches sont suffisantes ou pas. Parce que du coup, il faudra quand même peut-être, pour une taille 1, si vous avez de longs bras, que vous fassiez les explications que je vais donner pour des plus grandes tailles ou inversement. Ou vous pouvez aussi rajouter le nombre de rangs qui serait nécessaire pour arriver à l'effet pardon, que vous souhaitez. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce rang d'égalisation, si je peux me permettre, les indications vont être différentes pour le rang d'après en fonction de votre taille. Donc pour les tailles 1 et 2, on va commencer tout de suite les diminutions. Donc les diminutions, vous allez les faire, vous allez en fait, faire 2 brides ensemble, systématiquement sous tout le rang. 2 brides rabattues terminées ensemble sur tout le rang pour commencer vraiment à diminuer de manière drastique, puisque vous avez vu là que la largeur de la manche est bien trop grande. Donc même si c'est l'effet que je souhaitais, il faut quand même diminuer. Si vous êtes sur les tailles 3, 4 et 5, on va faire un rang intermédiaire, une bride dans chaque maille. Donc on est d'accord, on en est là, vous allez faire 3 mailles en l'air. Et si vous diminuez, donc on est d'accord, vous allez dans les 2 premières brides, ici et ici, et vous faites une bride sans terminer. Je fais un jeté, je vais dans la seconde bride que je termine par un jeté et je termine toutes les brides ensemble. Donc si vous êtes sur les tailles 1 et 2, vous allez commencer à faire ça dès ce premier rang. Si vous êtes sur des tailles 3, 4 et 5, nous allons d'abord faire un petit rang d'égalisation tout simple. Donc vous allez faire une bride dans chacune des mailles qui se présentent. Que ce soit, du coup, on est d'accord sur le rang d'avant, que ce soit une maille serrée, une maille coulée, une double bride, peu importe. Justement, le but, c'est d'égaliser un petit peu tout ça. Voilà, je vais finaliser ce rang, puis je vous retrouve juste après.
Une fois que vous avez terminé ce rang, du coup, donc pour les tailles 1 et 2, vous allez encore faire un rang de diminution, pouvoir faire un nœud, couper votre fil et le rentrer, et votre manche sera terminée. Pour celles qui font des tailles du coup 3, 4 et 5, nous allons faire les deux rangs de diminution, mais à partir de là, ce qui fera qu'en tout pour votre manche, vous aurez du coup 3 rangs pour les tailles 1 et 2 et 4 rangs en tout pour les tailles 3, 4 et 5. Donc c'est exactement comme je vous disais tout à l'heure, on va faire une première bride sans terminer et dans la maille d'à côté, deuxième bride sans terminer, je fais un jeté et je ferme les deux brides en même temps. Et on va répéter ça du coup sur tout le rang, vous allez rabattre les mailles 2 à 2. En réalisant deux brides rabattues ensemble sur les deux mailles à chaque fois qui se présentent. Alors c'est pareil, si à la fin vous n'arrivez pas forcément sur un compte rond ou un compte pair, c'est pas vraiment grave, à la limite vous faites juste une dernière bride, hein. Là, le but comme je vous ai dit c'est vraiment de réduire de manière drastique et sur un faible nombre de rangs vos manches pour que ça soit quand même beaucoup plus proche bien sûr du poignet. Donc si à l'étape où on a égalisé, vous avez peut-être ajouté une maille de trop, vous tombez voilà, sur un nombre impair. Attendez, hop, je me mélange les pinceaux. Sur un nombre de mailles impair, vous pouvez voilà, tout à fait faire une bride pour terminer le rang. Même si elle est toute seule, ça n'est pas grave. Voilà, donc je vous montre une dernière fois, puisqu'après vraiment, il faudra reporter ça. Peut-être pour celles qui sont moins à l'aise. Vous faites un jeté, vous allez dans une première bride. Hop, un jeté, on va comme si on terminait une bride. Un jeté, au lieu de terminer votre bride, vous allez dans la maille d'après. On attrape le fil, on fait un jeté, on passe à travers les deux premières boucles. Un jeté sur les trois brins qui restent sur votre crochet. Voilà. Et vous répétez ça, du coup, pour la finition de vos manches. Donc je vous répète, encore ce rang pour les tailles 1 et 2 et pour les tailles 3, 4 et 5. Une fois que vous avez terminé ce rang de diminution, vous montez vos 3 mailles en l'air et vous refaites un rang exactement de la même manière en continuant à diminuer les brides 2 à 2. Voilà. Une fois que vous aurez fini ça, restera simplement à faire vos nœuds, à couper vos fils et à les rentrer si vous ne l'avez pas déjà fait sur l'ensemble du coup, l'ensemble de votre pull. Éventuellement si vous le souhaitez, donc ça reste une option. Alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai fait ce pull d'une couleur unie. J'adore tellement ce violet que je pense qu'il se suffit à lui-même et que je n'avais pas forcément besoin de le faire à deux couleurs. Si vous avez fait deux couleurs ou simplement que vous souhaitez, donc là je suis sur l'encolure, hein, on est d'accord, vous pourriez tout à fait faire un rang de mailles serrées sur toute votre encolure. Soit peut-être pour faire un rappel de couleur, si vous avez utilisé plusieurs couleurs, ou si vous préférez sécuriser un petit peu votre travail. Moi, je pense que ça convient comme ça, mais voilà, si vous avez utilisé plusieurs couleurs, c'est vrai qu'il faut quand même un rappel, hein. Du coup, là, l'encolure peut s'y prêter très facilement. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai dû le filmer à différents moments, donc j'espère que quand même les indications seront claires. Je pense que oui. Comme à mon habitude, vous aurez le patron écrit du coup sur le site et je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce pull ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires à me les poser, soit en commentaire de cette vidéo, soit sur le groupe Facebook, soit par mail, tout ce que vous voulez. Vraiment, moi je suis là pour répondre à vos questions et vous aider à faire ce pull très original et magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur l'ensemble de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon crochet. À bientôt.